Donc tous les matins, on regarde l'évolution des embryons de l'ensemble des couples concernés. On sélectionne à ce moment-là un ou deux embryons pour le transfert. On remet la boîte d'embryons dans les tubes au chaud. Ensuite, quand le couple vient pour son transfert d'embryons frais, on ressort la boîte, on monte l'embryon dans un cathéter que l'on présente via nos passe-plats qui relient notre laboratoire aux salles de transfert, le cathéter au gynécologue qui fait ensuite le transfert dans l'utérus de la patiente. Pour les transferts d'embryons congelés, le matin même, on décongèle les embryons et on laisse un temps de 2 heures avant transfert chez la patiente. 2 heures pour pouvoir déterminer si l'embryon est viable et qu'il a survécu à la décongélation.